Et bonsoir, je vais juste faire ça, voilà, et c'est bon, on peut partir. Attendons, enregistrement, des modifications, blablabla. C'est bon, ça m'a l'air d'être bon. On va liker ça. On va regarder une dernière fois les notifications sur Twitter. Très très bien. Et maintenant, on ferme ça. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Il n'y aura pas de duel contre les abos cette fois? Si si si, hein, si, vous inquiétez pas. On est platine 4, à moins! À moins! À moins que le karma me rattrape. Normalement, on devrait passer légende assez rapidement. Normalement. Mais si je tilte, je ressors le deck qui m'a permis de passer King of Games. Ce sera peut-être pas aussi facile que la dernière fois, mais on pourra faire ça. Oui, non, c'est tout bon. C'est tout bon, je réfléchis, mais je pense que c'est bon. Ah si, j'ai oublié. Non, mais... Wow! Oh là là! Ouais, le repère du dragon, je sais pas si vous êtes sur le live là! Ah mais... Je vois que vous voulez publier mon live. Et ça c'est très sympathique, merci. Du coup, Mediafile. Mediafile. Puisque après on va me demander, Alex, c'est quoi ton deck? C'est quoi ton deck? Voilà, on met le deck ici. Six split, arrête de bugger. Parfait. Voilà. Allez, maintenant on va passer légende, les gars. On va passer légende. J'ai l'intention de faire un deck Horus. Tu me conseilles quoi comme carte dedans? Waouh. Le deck Horus. Je sais pas trop ce qui pourrait comboter avec Horus aujourd'hui. Hein. Comme ça, là, ça me vient pas. Bien sûr, les montées de niveau, les Horus, tout ça. Je sais pas ce qui pourrait aller avec. Franchement, sur le moment, je sais pas. Salut Alex! Le deck est-il free to play? Oui, hein, bah oui, absolument, puisqu'il n'y a aucune carte qui a une obligation d'achat. Tout le reste, c'est tentable. Ah, pas un Kiryu, ça me saoule. J'aime pas son OST. Elle est trop. Le son est trop élevé. C'est chiant. Tu sais que Golnios a une manière beaucoup plus simple d'être invoqué qu'en utilisant 5 monstres. Ouais, c'est avec l'autre là. L'autre. Je sais plus comment il s'appelle. On va poser les 6 styles double lame. Ouais, vas-y. On va invoquer Fuma. Ouais, avec Grand Fusion, voilà. Avec la fusion. Bon, par contre. Mon chat qui est... Tu joues pas avec lumière et ténèbres. Je n'ai pas la compétence. J'ai pas la compétence. Que voulez-vous que je fasse? J'ai manqué quelque chose. Sinon, tu peux faire la suite. Mais Hélène, tu ne fais pas partie de ceux qui m'ont déjà demandé ça 10 fois et qui, à chaque fois, je dis quand il y aura la suite, bordel. Nani? Nani? Nani, non pas, je ferai quand il y aura une suite. Je ne peux pas faire... Je ne peux pas continuer s'il n'y a pas de suite. Voyons! Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir invoquer? Le grand maître, il aura pas assez d'attaque en fait. Mais style notre dégueu. Ou allez, au pire, on va utiliser Kizaru. Kizaru en position d'attaque. Salut Ravel! Hop, on va activer l'effet de Kizaru. Et bien sûr, bonsoir à tous les autres. Hein. Elodie, Jim, lui. Oui, quelqu'un qui s'appelle lui. Très bien. Si tu veux. On va prendre. On va prendre. Secret légendaire. Et oui, le deck 6 samouraï, mesdames et messieurs. Le deck 6 samouraï. D'ailleurs, j'ai pas posé ma deuxième double lame. Qu'on va activer au prochain tour. Si on fait Ancient Gear Desperado, est-ce que ça marche? Non? Non, parce qu'il faut lire l'effet de Desperado. Desperado ne peut être invoqué spécialement que si un monstre. Que si un monstre ténèbres machine est détruit. Or, les monstres rouages anciens sont des monstres terre machine. Donc ça ne marche pas. Lumière et ténèbres, pourquoi tu ne joues pas avec l'Obsidian Ombra chez moi, il assure. Calme-toi, Alex. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, Alex. Tout.
Ah, t'inquiète pas, Alex, tout va bien. Voilà. Ouais. Peut-être parce que je n'ai pas la compétence, en fait. Voilà. Bon, du coup, on n'a pas besoin de lumière et ténèbres, nous. On n'a pas besoin de ça. Mais il n'écoute pas, mais bien sûr qu'il n'écoute pas. Après, on dit que je ne lis pas le chat. Mais le chat ne m'écoute pas. Comment voulez-vous? Pourquoi voulez-vous? Comment voulez-vous plutôt? Comment voulez-vous? Ah, mec, t'es fort. Non. Oh non. Je te rassure, pour Light and Dark, j'ai farm 4 heures en ranked et c'est la dernière que j'ai drop. Oh, 4 heures. Pauvre de lui. Mais monsieur Lucas, 4 heures chez toi, c'est rien. C'est rien. Yo. Yo, yo, yo. Allez, Sertorius. Oh, ok, un Desperado en face. Très sûrement un Desperado. Maître de destinée. Sauf s'il nous sort Force Arcane. Là, je comprendrai pas. Hop, union. Hop, affrontement. Et toi, t'as que 500 points de défense, c'est un bolos. On va le mettre en position d'attaque. Il va croire que j'ai double lame. Il va jouer autour. Puisqu'il est nul. Direct, moi je dis qu'il est nul. Hein. terminer le tour. Aéromasqué, c'est vrai que ça joue bien aussi, mais après, bof. Aéromasqué aujourd'hui, de nos jours. En nos jours. Moyen. Hein. Moyen, moyen. Ouais, du coup, mon chat joue avec un bouchon depuis tout à l'heure. Mesdames et messieurs, si un jour vous avez un chat, il y a beaucoup de désastres, si un jour vous avez un chat, un chaton, mais ne lui achetez pas de jouets. Prenez vos vieux bouchons de bouteille, des sacs, des trucs comme ça, et vous lui balancez, et il joue avec ça pendant des heures. Ça ne sert à rien. Ma mère, au début, elle était là, oh, je lui ai acheté un bâton avec un fil et tout, oh là là, incroyable. Tiens, j'ai acheté ce nœud, Tu parles! Je lui donne un bouchon, il joue pendant 2 heures! Pilouf! Mais arrête, s'il te plaît, arrête. Bonne chance, Alex, merci. Alex, j'ai un deck de Kog qui n'est pas méta, tu peux me dire? J'ai pas tout compris ici, mais ouais. Je pense bien qu'il essaie de. Oh. Non, c'est pas forcément. Ouais, Sauveur Bacon. Neos le Brave. Est-ce qu'il va jouer autour de ma double lame? Il réfléchit. Coupe des As avec Maître de Destinée, c'est A. C'est A. C'est As. Il réfléchit, hein. Il veut pas poser de carte. Wow, Madame Judge! Si un effet de carte de votre adversaire s'active, pouvoir des gardiens. C'est ballsy, hein. C'est ballsy, mais ça y va. Hein. Ok. Ok. On va essayer de prendre le moins de dégâts possible. Un conseil pour un joueur qui compte commencer Duel Links maintenant, mais qui connaît déjà Yu-Gi-Oh comme sa poche. Eh bien, Camille, je te conseille de regarder ma vidéo sur comment bien débuter sur Yu-Gi-Oh! Duel Links. Tu auras tous les conseils dedans. Hop, Madame Judge. Boum! Allez, un seul pile, du coup, tu n'annules pas mon effet. Et du coup, je ne subirai que 1300 ce tour-ci, ce qui est 1800 d'ailleurs, puisque c'est équipé. Ah ouais, d'ailleurs, avec un dégât de chez GLF, on est en train de bosser sur un serveur où on met tous les decks de farm, perso comme playmat, et peut-être que je vais leak un lien ce soir. Il y a un deck pour récup le playmat Divine Eos en un tour, playmat que j'ai récup off. Oh, 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 monsieur Lucas. Oh, bien sûr que je l'ai. Fuma. Ok. Ça, c'est cool. Ouais, c'est plutôt cool. Let's go. On va faire ça. Est-ce qu'elle détruit? Ah, ça annule l'effet. Ce serait quand même chiant. Je vous... Non!
Ah oh, la sale... Quoi? Du coup, invocation spéciale. Alors... Comment voulez-vous? En plus, elle est indestructible au combat, pratiquement, on peut dire. Bah, un lien puissant, on va lui faire des dégâts quand même, en attendant. Zouf. RIP la monétisation. Mais non, elle est là, la monétisation, vous inquiétez pas. Non, c'est Sauveur Bacon qui est au cimetière qui veut faire ça. Si les Xyz viennent sur Duel Links, Utopie sera méta. Absolument pas. Mais Utopie... Utopie non, genre... Tu veux sauver ta... Ok. Je veux dire... les Utopies, on a vu dans le let's play sur Legacy. Que déjà, de base, c'est pas ouf. Sauf si, bien sûr, tu mets les autres grands Utopies. Genre, t'invoques un Utopie, après tu en remets un dessus, tu en remets un dessus. Mais je pense pas qu'ils seront mis, mais genre, Utopie classique et... Non. Genre, ça change pas grand-chose. Par contre, ça va vite être chiant s'il commence à équiper tous ses monstres de pouvoir des gardiens. Mais je pense qu'il le fait pour... pour m'activer une autre carte chiante derrière. En soi, Utopie n'est pas bon, il se fait détruire facilement et imagine Kaladia sur DL. Waouh. Un petit peu chiant. On a perdu. Il y a un monstre à sacrifice. Bon, dans tous les cas, on a perdu. Hein. Si je retire du jeu, lui... il va me le sacrifier. Ah, il peut pas attaquer... Mais non, il pouvait pas attaquer ce tour, je suis con. Ah, mais oui, j'avais totalement oublié Bon Sésame. Quel con. Quel idiot, devrais-je dire, plutôt. Ouais. Mais oui, j'aurais dû faire ça, j'avais totalement zappé que Bourse des âmes bloquait les attaques. En vrai, Utopie plus Rayon Utopie, si tu cales une Trenade, tu peux faire le café. Rayon Utopie, c'est quel effet déjà. En plus, j'avais 6 styles double lame. Oh non, le misplay du joueur français. Le misplay du joueur français. Bon, tiens, je vais abandonner, je mérite que ça, de toute façon. Aïe, 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 aïe. Mais en même temps... Qui joue pour ces âmes. Ah, en soi. Genre, qui joue pour ces âmes. Mais du coup, un Canadien sur une Xyz, ça change rien. Elle aura toujours ses matériaux Xyz, il me semble. Ah mais attends, Rayon Utopie c'est le monstre, je pensais que tu parlais d'une magie. Mais oui, Rayon Utopie c'est celui que tu... c'est le numéro du chaos là. Ouais. Pas convaincu hein. Alors, Dojo. Ensuite on va placer notre affrontement, on va faire un fumeur. Voilà, on invoque le secret légendaire. Position d'attaque. On va ensuite activer invocation spéciale. Enfin, activer, non. Attendez. Éventuellement. ça va, comment... Bah oui, salut, Amine. Ça va? Moi, ça va bien. Pour chaque matériel de rayon utopie qu'on utilise, il gagne 500 et un monstre adverse perd 1000 jusqu'à la end phase. Oui, mais il faut avoir moins de 1000 points de vie, donc c'est pas non plus le truc que tu sors tout le temps. Un monstre Xyz ne perd pas ses tokens quand il est retourné? J'ai un trou là, il me semble pas. Hein. Il me semble pas. Utopie, c'est bien s'il y a qui tout double. Ouais, et encore. Et encore. Tu jouais quoi? Clairvoyance? Mon nom est Yubel. Ouais, en fait, j'allais partir sur Armades plus mon grand maître. Comme ça, je pouvais détruire son monstre. Mais bon, si t'as moins d'épée, tu vires autant de matériaux Xyz que tu veux. Tu cibles un monstre hyper 1000 et
par matériel et toi tu wins 500 par matériel, donc techniquement tu cales easy un étal à 4K. Éventuellement, mais il faut avoir moins de 1000 LP. Hein. Alors, hop, déjà le dojo, déjà l'union, déjà le secret. Boum et boum, on active le dojo, on va invoquer un Fuma. On a un bon start là, on a clairement le bon start. Hop, deuxième compteur, on pioche deux, on pose ça, on met une union. Et on a notre negate avec le Sheehan. Moi j'ai pas envie des X trucs là, c'est vraiment pas ouf. Mais si, les X6 c'est bien. Les X6 c'est sympa. Ça se joue dans tous les decks. Ça change pas grand chose. On termine le tour. Et voilà, comment vas-tu? Bah, très très bien, merci. Toi, le deck Neo, c'est plus fort avec ou sans Red Eyes? Neos n'est pas vraiment un deck à lui-même. Hein. C'est le deck Neos, tu le mets avec d'autres decks. Et Neos Red Eyes, pour moi, c'est pas un bon mélange. C'est, ce qui est bien avec le deck 6 Samurai, c'est que les gens sont traumatisés par ce deck. Ils sont traumatisés. Ils ne jouent même pas et je gagne. Tu jouais quoi, toi? Tu jouais quoi? Ils ne peuvent pas être attaqués par les monstres normaux, les X6? J'ai un trou. Non. Ça, c'est l'animé, genre soi-disant que... Enfin, dans l'animé, les monstres numéros, donc les monstres X6 numéros, donc en soi, c'est un petit peu plus d'une centaine de monstres, ne sont destructibles que par que au combat ou par effet de monstres numéros, d'autres monstres numéros. Et ça, c'est que l'animé, hein. Dans Yu-Gi-Oh, tu défonces n'importe quel monstre numéro avec ce que tu veux, hein. Trap, je sais pas, un monstre qui a 100 points de plus d'attaque en plus. Voilà, tu détruis simplement. Mince, comment s'appelle mon skill? Celui qui permet de faire gagner 100 à mes monstres par monstre que j'ai sur le terrain. Hop. On n'a pas le meilleur des starts, hein, mais si on peut... Un lien puissant, voilà. Un lien puissant! Deux rage quit de suite, c'est beau. Go nerf, c'est retard si samouraï. Mais non, si samouraï, c'est bien. Yes! On en est là! Mec, on en est là! J'ai invoqué juste un 6 samouraï et lui m'a invoqué juste un 7 terreur. On est où? On est où là? Allez, Enishi. Pourquoi tu m'aimes pas? Je ne te connais pas. Que je ne peux pas t'aimer ou ne pas t'aimer. Je ne te connais pas. Nous allons faire Dojo. D'abord, on va invoquer un Fuma en position de défense. Ensuite, hop, union des 6 samouraïs, on pioche 2. Hop, union des 6 samouraïs, on pioche 2. Union des 6 samouraïs. Affrontement. Et ensuite, invocation spéciale. Shi-Hen. Bah, démute-moi, MDR, j'essaie de faire un mème. Quoi? Mais t'es pas mute, là, apparemment. Comment tu voudrais que je voie tes messages si t'étais mute? Que peux-je? Il faut nerf le Dexis Samurai beaucoup trop fort. Je trouve que... Non, mais le Dexis Samurai est fort, mais je dirais pas qu'il est trop fort. Aujourd'hui, on a une méta qui est correcte, vu qu'il y a pas mal de decks viables. Il y a beaucoup de decks qui sont méta. Desperado, c'est un petit peu stupide, ça, par contre. Nous sommes bien d'accord, mais... Dexis Samurai, it's okay. Apparemment, les X6 ne sortiront qu'en 2020. C'est en effet une possibilité. Attendons de voir au Worlds ce qu'ils vont annoncer. Enfin, le monde qu'ils vont annoncer. Stigo Kraken. En effet. Le truc chiant, c'est que je passe pas le Stigo Kraken.
ou Maastrix. Oh, le truc chiant, c'est que je passe pas ou Maastrix. On a le grand maître. On peut l'invoquer. 2800. Si j'ai 3 monstres, je passe. Je passe des trucs. Réfléchissons, mais de toute façon ça change pas grand chose. Que je pioche un ou deux, ça... Si j'arrive à avoir un Fuma... Oh là là, si je peux avoir un Fuma... Si je top deck un Fuma, je suis bien. C'est un Kizan. Invocation spéciale. Hop, invocation. Le moi, il a 2000 points de défense, donc un lien puissant. On va déjà clean quelques cartes. Hop. On va clean... ça. It's the damage step. Est-ce que ça baisse la défense? Ouais, on va faire comme ça. Hop. Ah mais merde, il va détruire ma carte face down. Non! Ouais, j'ai mal joué là. Et oui, j'avais oublié que Stygo Kraken. Voyons Alex, Stygo Kraken. Ça ne servait à rien ce que j'ai fait. J'aurais dû attaquer l'autre. Je n'arrive pas à voir de quelle magie il s'agit pour ta magie rapide. Ça, affrontement de héritage du monde. La carte. V-Card. Guerrier Nemesis qui se retourne. Oh, en plus, il peut retourner la situation. Elle arrive quand la casser, surtout pour les offres MDR. La casser, c'est fin août. Après les Worlds. Après, il pouvait réinvoquer. Il aurait pu refaire des trucs chiants, hein. Carte face cachée. Et vas-y. Ok. Fuma. Ok. Alors, le petit Fuma. Ensuite, invocation spéciale. Avoir 2600, ce qui n'est absolument pas assez. On va faire un Shi'en. J'ai plus beaucoup de temps. Désolé si je lis pas le chat là. Faut que je me concentre sur le Jewelu. Ah oui, c'est le guerrier Nemesis qui active son effet depuis tout à l'heure. Attendez, moi je comprenais pas. Un lien puissant. Ok. Alors. On va déjà tenter une première attaque sur ce monstre-là. DSP, mixé, cyber, télébreux, 25 euros, free win. Free win, je dirais pas ça. Mais un bon deck, oui. Très bon deck, même. Ok, il envoie ça au cimetière. Et il va invoquer tout ça. Le problème, c'est que à chaque fois, il va réinvoquer le Nemesis. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus chiant pour l'instant. Bon, bah, vas-y, détruis ça. Oh, mais c'est vrai qu'il a le boost affrontement. Mais c'est vrai qu'il a ça. Oh, bien joué. Alors, je pense qu'il a gagné. Il a gagné. Ne perdons pas notre temps, il a gagné. À quel moment cette carte, personne ne la joue. Et du coup, ben, je ne sais. Je connais pas. C'est bien de jouer des cartes qui ne sont pas jouées puisque les gens ne connaissent pas. Et moi, je suis là. T'as voté pour qui, Worlds?
Bah, j'ai voté pour les gens que Karankara m'a conseillé. Jason, Soon, je crois qu'ils appellent comme ça, et un autre. Je ne sais plus. Prends le deck synchronique, non. Alors, Lapis Lazuli et Trap Perfide vont se faire ban. Lapis Lazuli, pourquoi ça se ferait ban? Personne ne joue ça. Et Trap Perfide, éventuellement. Yes! Ça, c'est une magnifique main. Hein. Ça, c'est une magnifique main. On termine le tour. Je peux remplacer un troisième Ousmastrix par quoi pour ton deck? Stigo Kraken, s'il n'est pas déjà en 3 fois. Mais Zun, c'est un allemand, je crois. Ankara, faut pas l'écouter. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Alors, je vais activer l'union. Boum! Qu'est-ce que tu vas faire? Ensuite, j'invoque Fuma. Voilà. J'attends un tour ou... J'aurais pas Kizan. J'aurais pas Kijan. Kiyang. Kizan. Je voulais dire la carte fusion, celle qui burn. Oui, non mais celle qui burn est déjà limitée. Il y a déjà une limitation dessus. Dequachi. Ok. Dequacha. Fortune Lady sur Duel Links, t'en penses quoi si le nouveau support de BLHR sort avec Carly? Je pense pas que ce sera le support BLHR qui sera ajouté dans Duel Links. Le nouveau support de Rising Rampage, plutôt, éventuellement. Sinon... Je connais pas les effets par cœur, mais il me semble pas que ce soit non plus insane. Double lame. Dégage de ma vue, toi. Dégage de ma vue. La prismatique. Ouais, la prismatique. Hein. La prismatique Fortune Lady. Ok, ça s'est renvoyé. Bon, du coup, il a que ces deux cartes face cachée. Cette petite carte nulle là. Votre tour. Allez, un petit monstre niveau 4. Union, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de l'union? Je vais la placer, hein, dans le pire des cas. Il y a quelque chose qui chain. Invocation spéciale, grand maître. Ok, donc un compteur partout. Eh bon, allez, tes cartes là. Canadia. Tout ça pour un Canadien. Canadien sur quoi? Sur lui. Ok. C'est pas le move le plus insane, hein. Hirou. Yes. On peut jouer quelle compétence pour Subterreur? Je sais pas comment les gens jouent Subterreur post-nerf. En soi. Allez! Mais il me saoule avec ses effets! Vas-y. Invocation spéciale. Mec, Il toque. Et le chien. Voilà. J'aurais pas dû renvoyer le... Non, j'aurais pas pu l'activer de toute façon avant. Là, il a utilisé combien de fois des pièces? Ou pioche de haut niveau? Début en fanfare ou mur du labyrinthe ou pioche de niveau aussi? Salut. Salut Ankara, notre futur reporter en duplex des World Championship. La tempérance, ok. On sait qu'il a un Dequachi et un Time Wizard dans sa main. Attendez, mais Time Wizard, ça a quel attribut? Ça a quel attribut? C'est pas lumière, c'est pas ténèbres. C'est quoi? Enfin, c'est lumière ou ténèbres? C'est lumière. ok.
Hop, 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 hop. Non, non, non. Je retire du Joshi N. Tellement de voir des gens gagner au coin flip en direct live. Zep, 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 hop, hop, hop. Il va avoir tout bon avec sa pièce, la face. Grand maître. Grand maître, reviens en main. Le Fabien Mancara, salut. Alex nous vend des pronostics, mais il donne pas les noms. Est-ce que par hasard, il nous vend tes pronostics? Ah. Sunri Santi, voilà. C'est ça le nom du gars de Sun. Difficile le niveau des joueurs aujourd'hui. Et boum! Regardez, il est revenu. Le grand Shihen. Ensuite. On va... Qu'est-ce qu'il peut avoir face cachée? Pas grand-chose. Hein. Alors... Invocation spéciale, grand maître! Voilà. Et je vais mettre un Enishi si jamais il a un... Un... Desperado. Affrontement. Non! Ouais, non. Non, en fait. Vas-y. Est-ce que sa stratégie va payer? Activer la compétence. Decay de pas dedans. Yes! La win! Et Decay, il est connu, il est pas forcément plus fort que les autres. Hein. C'est comme si les gens disaient qu'il fallait voter pour moi, à quel moment? À quel moment? Moi je suis nul, je suis qu'un youtubeur. Faut jamais parier sur moi. Je ne gagne jamais, moi. Regardez, là je viens de perdre. Là je viens de gagner plutôt. Ah, la main! Il est Jap ou autre nationalité? Oui, il est allemand, Soon. Alex, ça va se passer comment pour vos lives World Championship? Enfin, les lives pour le championnat du monde de Duel Links. Alors, on ne sait pas encore. On va faire un brainstorming avec Jean-Tony après le live. Puisque, vous savez, chaque année, enfin déjà les deux premières années avec Jean-Tony, on a commenté les matchs qui étaient présents lors des World Championship. Là, on a la chance d'avoir un tournoi qui se passe en Europe. Et du coup, on peut commenter en direct live les duels. Et ça, c'est quand même fabuleux. Bon, après, à mon avis, il y aura de l'énorme attente. Mais on va voir comment on va faire avec Janto. On va voir comment on va faire. Puisque, surtout qu'il n'y a pas de planning précis hein, pour le World Championship. Hop, allez, on va piocher Mascart. Oh, Union et Dojo. J'ai quoi? 6 styles double lame. On va se contenter de ça. L'autre débile avec nouveau départ, il a tout gâché. Enfin... Nani. Hop, et hop. C'est quand le championnat? La semaine prochaine. Le week-end prochain. Tiens, je viens juste de réaliser, mais... Oh là là, ça tombe le week-end de SummerSlam. Bon, c'est pour le takeover surtout que ça me fait chier, mais... Bon, pas grave. Alors... on va pas lui montrer un lien puissant, il va découvrir ça plus tard, on s'en fout. Yes! Yubel pour invoquer l'autre Yubel. Ah bon, débile à ce point. RIP Armades, on t'aimait. C'est vrai que Armades aurait pu être bon dans cette situation. Bon, peu importe. Peu importe, terminé le tour. Non, fallait faire un Armades! Il fallait faire un Armades. Si c'est un Yaksha, j'aurais fait Armades. Ah, il a attendu la fin du tour! Eh, vous inquiétez pas, mec! J'active l'effet de cette Fufuma. Regardez, regardez! Mais oui, je win là, regardez, regardez!
Enishi, invoqué, hop hop hop, on fait ça. Attendez, j'ai combien de trucs au cimetière? Hé, hey, j'ai pas assez de monstres. Mais non, j'ai flow. j'ai flow un petit peu la game là. Suicide un Fuma. Ok, on va suicide un Fuma au pire. On va suicide un Fuma. Alors. Hop. Allez, on va invoquer le Fuma. Voilà. Et je fais quoi en chain? Ah mais non, il détruit pas. Si, il détruit, lui. Il détruit. Je place ça face down. J'active ma compétence. Attends, c'est au combat, ça? Ah, on part un effet de carte. Ça marche. Ça marche. Comment ça, il détruit pas? Ah mais non, il détruit pas le fils de... Alors... Alors, là, on va avoir des ennuis. J'ai froid! Allez, on se suicide. mais non, c'est l'autre qui détruit! Oh, j'ai totalement ruiné la game. C'est pas grave. Je crois. Je crois que c'est pas grave. On va faire ça autrement. Hein. Faut activer un effet en chain. Bon allez, vas-y. On va saouler. Hop, on baisse ton attaque à toi. C'est que pas grave, je me suis fait perdre 2500 LP. J'ai plus beaucoup de temps. Il faut que j'active un effet. Grand maître, c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais. Ah, c'est pas ce que je voulais. Allez, Enishi. Je ruine la game. Hein. Je ruine la game. Ah, attendez. Vas-y, terrain incarné. Attendez. Non. Le time. Je réfléchis. Le time. Activez l'effet. Non. Je vais peut-être pas avoir assez de temps. Je ne peux pas cibler sur mon monstre. J'ai pas fait le truc bien. Non. Mais non, mais j'ai ruiné le Rian. J'ai fait n'importe quoi. Mais j'étais stressé par le temps. J'ai fait nap. Oh merde. Oh. Aïe 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 aïe. Road to Legend. Hein. Cette OT karaté. Mais en plus, dans mon cerveau, j'avais tout. J'étais là, Rian. Boum, j'envoie ça au cimetière. Je retire du jeu son monstre et tout. J'invoque le... Ah, mais j'ai ruiné. Fallait d'abord mettre un monstre à moi. Mais oui, j'avais totalement zappé ça. Quel bolos! Quel bolos! Je joue en parallèle, je viens de up plat 4, bon courage. Aïe 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 aïe! Rain down, non? Misclick. Non, non, en fait,
C'est juste qu'il y avait le temps qui s'écoulait, donc j'étais là. Ok, de toute façon, le premier truc que, sur lequel je clique, c'est un Yubel. J'ai pas vu le Yubel, je me suis dit, pourquoi je peux pas le retirer du jeu? J'ai cliqué sur n'importe quoi. Parce que dans ma tête, c'était, le premier truc, c'est retirer du jeu quelque chose. Et genre, je me suis dit, oh, ok, c'est foiré. Mais non. Mais non, j'ai tout ruiné. J'ai tout ruiné. Bon alors, votre tour. Kizan. On a clairement pas un bon start. On a clairement pas un bon start ici-bas. Bon bah on va faire ça. Hein. Il a bien envoyé un sauveur bacon. Terminé. Pourquoi tu n'utilises pas 3 Kizan? Parce que j'en ai pas 3. Qu'est-ce qu'il est en train... Avec quoi il est en train de jouer mon fils là? Mon chat. J'abandonne, hein, ça sert à rien. J'ai eu la pire main que... Voilà. C'était mieux dans tes vidéos. Comment ça c'était mieux dans mes vidéos? Ça fait 10 ans que je n'ai pas utilisé ce deck en vidéo. Alors là je vais perdre un rang si je perds, je crois. Je paierai cher pour voir les moves d'Alex au WCS. Me voir réagir devant des milliers, bon, peut-être pas des milliers, mais beaucoup de spectateurs, je serai là. Mais non, je viens de misplay. Puisque bon, moi je sais pas faire une poker face. Genre. Oh là là, qu'est-ce que ça va être encore en face. Ok. Du stall. Oh, ça va être marrant. Encore pire, là, non, après. Encore pire. Mais go classer avec des decks originaux. Mais en fait, le classer, c'est pour faire des victoires. C'est pour gagner. On est là pour tryhard. Qu'est-ce que j'en ai à faire de faire du classer avec des decks originaux? Je fais des decks originaux pour mes présentations de decks, pas pour faire du classer. Surtout en début de saison, hein, où tout le monde tryhard. Donc c'est un petit peu mort. On va lui faire 300. Il a l'air de vouloir gagner des trucs. Devant le public, poker face, j'avais tout prévu. Dans sa tête, putain, j'ai fait quoi? Voilà, c'est le genre de choses que je peux pas faire. Coccinelle. Where is my extra deck? il a bientôt terminé son tour. Éventuellement. On peut faire ça comme ça. Boost. Regardez, on va taper à 300. C'est vraiment un duel d'handicapé. Il a un bouclier drainant face cachée, 100%. Quel est ce deck en face? ADN de Dino. Bah oui, récupère tes points de vie. Vas-y. Ok. Un deck full dragon rose est bien, le truc c'est que je l'ai qu'en un seul exemplaire. It's ok. Bon. J'active six styles double lame. Renvoie ça. Renvoie ça. Voilà. Ensuite, on invoque spécialement lui. On va poser ça. Et on va activer la compétence. Il a pas l'air d'être si agressif, donc je vais laisser mon Fuma en position d'attaque, puisque je knocker. Ah, là, il a quelque chose. Bouclier drainant. Boum, moins 400. Allez, 2300. Piège de défense. Peut-être qu'il pense que dépasser un certain nombre de LP lui donnera la win. Je pense que franchement c'est dans sa tête ça. 500, il a 5800 points de vie, incroyable. Yes. Ça m'a l'air agréable aussi. Hein.
Ça m'a l'air vachement agréable. Deux cartes face down. Aïe. Fuma. Voilà. Ensuite, invocation spéciale, Dragon Mecha Vermillion. C'est un deck burn. Espèce de petit salaud, va. Activer l'effet. On va retirer du jeu un Fuma. On va détruire l'une des deux cartes à face cachée. Celle-ci. C'était une autre pioche de défense. Hop, un lien puissant. Sauf que sa carte face cachée, c'est le bouclier drainant. Je le sens mal. Sphère Kuribo. Ok. Terminer le tour. ADN de Dino. Franchement, si je perds là, contre ce genre de deck, j'ai plus d'âme après. Hein. Clairement, j'ai plus d'âme. Je sors Desperado, je m'en fous. Je m'en fous totalement. J'ai combien de 6 samouraïs 2 au cimetière, donc je peux faire ça, mais on s'en fout. J'ai invoqué Fuma. Ce mec chiant en face, hein, on est d'accord. Hop, je vais invoquer Kizaru. Voilà, Kizaru active son effet, va me permettre d'aller chercher Hiru, éventuellement. Tiens, je vais activer l'effet du Mecha Vermillion, là. Vous pensez que c'est quoi, face cachée? En monstre, là. Un truc de merde, hein. Je détruis ça, c'est plus chiant. Oh. Bah, en fait, j'aurais pas dû faire ça, puisque je vais de toute façon faire un Shi'en. Oh, je vais faire un Armades, au cas où. Je vais faire un Armades. En fait, j'aurais dû détruire le monstre face cachée, faire un Shi'en, et comme ça, j'avais le létal. J'avais pas du tout le létal, mais en tout cas, je lui faisais très mal. J'attaque. C'est combien de fois par tour, ça? Une fois par tour. Oh, laisse faire Kuribo, mec. T'as pas d'âme, hein. Oh. ADN de Dino. Après, je pourrais redétruire une carte coccinelle. Ouais. Et surtout avec le guerrier forteresse. Oh, il y a une autre carte face cachée. C'est chiant. Mec, t'es chiant. Clash. Sinon, Laval. Lava. Zéro lava. Regarde. Où est-ce que tu vois un lava? Boum. Alors ensuite, on va faire Hiru. J'aurai zéro lava. Hop, on positionne en attaque. On active l'effet de Mecha Vermillion. On va essayer de tirer ça du jeu. Et... j'ai pas d'autres 6 samouraïs. Vas-y, c'est pas un autre guerrier forteresse, face cachée. On augmente. T'as du bol. C'est pas un autre guerrier forteresse. C'est un ver de feu. Et bah c'est bien dommage, ça. Et hop. Et hop. Allez, on commence à passer à l'action. On commence à passer à l'action. Hein. Sazank, maybe. Coccinelle. Bon, après, je peux plus rien détruire sur le terrain. Et même s'il a un lava golem, il faudrait qu'il ait quelque chose derrière. Voilà, il a top deck le lava golem. Super! Mais qu'est-ce que tu fais derrière? End phase, tu fais rien. Tu fais rien. Tu manges tes morts, en fait. Yes. Tu manges tes grands morts. Hop, on va faire Anishi. Et... je vais pas double lame, je vais juste faire ça. Betrayed! Hop, on attaque. Alors, est-ce que t'as une sphère Kuribo? Non. Fais-toi trahir par le golem de lave! Il le mérite. Il le mérite. Il le mérite tellement. Vas-y, bouffe-toi ça. Mais il m'a fait faire tout ça pour une victoire. C'était tellement long. C'était tellement long. Yes. Il est quelle heure? Il est 20. Megaman BR. Totalement mérité.
Le combat est ennuyeux, merci l'adversaire. J'ai vomi trois fois devant ce duel tellement le mec me dégoûte. C'est très dur ce que vous dites. Bon, et d'ailleurs, tant que je suis là, tant que vous êtes là, je tenais à vous rappeler que si vous allez dans le premier lien dans la description, eh bien je fais un concours pour gagner ce nouveau deck de structure, ce nouveau deck de démarrage plutôt, les Prédateurs Ultimes, le nouveau deck de démarrage Speed Duel, qui est, pour moi, franchement, des deux produits qui sont sortis le même jour, le 1er août, avec, vous savez, les boosters, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, en vrai. Il y a tellement de choses à faire avec ça, et beaucoup de choses méta à faire. Donc franchement, je vous le conseille, et ben, du coup, vous pouvez tenter de le gagner avec le concours qui est dans la description, hein, le premier lien. Et d'ailleurs, vous pouvez même me follow sur mon nouveau Instagram, mesdames et messieurs, puisque je suis devenu un influenceur, officiellement, enfin, parce que j'ai maintenant un Instagram. Et du coup, je peux poster des photos de mon chat. Il sera plus populaire que moi. Et ça, c'est génial. Du coup, Alex Yuki avec 3 i sur Instagram, mesdames et messieurs. Allez me suivre pour que je puisse faire des OP. Des OP sur des body pillows ou des hentai, des érogués, tout ça. Franchement, je vous en remercierai beaucoup. Alex bientôt certifié. En plus, oui. Ça, c'est pas cool, hein. Ça, c'est vraiment pas cool ce que tu me fais. Fuma, hein. On va invoquer le grand maître. Great Master. Alors, ensuite, on va faire Union, pioche 2. Dojo. Ça, c'est bien dommage. Invocation spéciale. Ça, c'est bien dommage. On va invoquer Fuma. Nanana. On va invoquer le Shien. Boum et boum. Hop. Vas-y. En comparaison, les premiers decks de structure sont éclatés par terre. Il est en effet vrai. Et d'ailleurs, vous pouvez voir mon premier deck fait avec les nouveaux supports. Et franchement, le deck dinosaure est faisable pratiquement qu'avec ce deck de structure. Vous rajoutez quelques autres cartes sorties dans les autres extensions. Au niveau des cartes pièges, selon ce que vous avez. Et vous cherchez 3 cabazoles qui sont juste des communes. Et voilà, hein, vous faites... vous pouvez vous faire un bon deck dinosaure. Clairement. Et après, il y a... Bon... Il y a le nouveau skill d'insecteur qui est très très fort, qui s'utilise dans n'importe quel deck pour avoir 2 trous noirs dans vos decks. Il y a le skill du dragon serpent nocturne dedans qui est juste très très bon. Si vous arrivez à placer un dragon serpent nocturne, vous faites extrêmement mal. En vrai... J'ai trouvé une carte qui peut être pas mal avec le dragon serpent nocturne pour l'invoquer facilement. On va placer ça. On va invoquer Iru. Et on va même poser encore ça, tiens. Et on va terminer notre tour. Ton chat est très mignon. Ah, je sais, mais ce n'est qu'en apparence. C'est un fauve. C'est un fauve quand il est réveillé. Il ne fait que me mordre, le salaud. Dojo. Deuxième dojo. Qu'est-ce que tu vas invoquer? Ok. Alors, nous allons faire... Double lame. Retourne le premier dojo. Le deuxième dojo. Est-ce que c'était la chose à faire? Ou c'était pas mieux d'envoyer Enishi? Ah, en vrai, j'ai fait... Ah, quoique s'il a... Ah si, j'aurais dû retourner Enishi, puisque s'il a un Kizan, il peut faire une invocation synchro. Je déteste avoir raison. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Je vous jure. Ça m'abasourdit. Quoi. Alors.
comment faire les choses bien. On va faire un affrontement déjà. On va juste pour garder notre monstre pour le prochain tour. On peut encore faire coq avec 6 samouraïs. Oui. Oui, oui, oui. Ah mais non, il a l'étal puisqu'il invoque avec ça, je suis con. Ok, bon bah, bien joué. Ne perdons pas de temps, hein. Dès qu'on sait qu'on a perdu, on a perdu, quoi. Pour qu'on puisse faire un maximum de gel dans ce live. On sait qu'il avait gagné. Hein. Quel prochain tour, quel prochain tour. Ouais, 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 arrêtez avec vos prochains tours. Ou Jaden Yubel versus Jaden Yuki. Aton et Elec qui sont très synchro quand il s'agit de se moquer de moi. Canon cyber ténébreux, ouais. Wipe. Tranchant, ouais. Attendez, attendez. Pourquoi Neo se passe? Ok. Oh, le dojo en top deck. Toujours agréable. Dojo. Ah, il a un cyclone. Quel salaud. Ah, double cyclone, tiens. Ah, quoi? Ma foi, si tu veux, hein, mais... Ma foi, si tu veux. Hop, on va invoquer Kizaru. Et le grand maître ne permet rien, on termine. Je suis en train de classer 200 cartes de Speedwell devant le stream d'Alex et les MCS sur Twitch. Je vis ma meilleure vie. Bien joué, Ankara. J'ai entendu un bruit de mon chat. Des fois, je suis... Des fois, je suis parano et j'ai l'impression qu'il monte sur la table de ma cuisine, ma table de mon salon, et c'est là où il y a toutes mes cartes. Et imaginez ce que mon chat peut faire comme dégâts. Jinzo. Ok, fusion Léos. Et il va attaquer avec Jinzo. Qu'est-ce qu'on peut espérer comme carte éventuellement pour s'en sortir? Parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait. Invocation spéciale. On a perdu, on le sait, on abandonne. En vrai, les gars, on va repasser du côté obscur. Là, les gars, on n'y arrive pas. Si samouraï, ça marche pas. Tiens, attendez, d'ailleurs, je vais faire ça avant. Hop, on va récupérer nos 5 gemmes, puis nos 5 gemmes encore. Notre truc bizarre. Et notre corne de l'unicorne, complete, 20 gemmes. Ouais, ouais, bingo. Ok. Avec qui je jouais Desperado? Merde, avec qui je jouais Desperado déjà? Je sais même plus avec qui je jouais Desperado. Ah oui, c'était avec Yugi. Bon, par contre, le jeu qui plante, oui, voilà. Where is Beatdown? Ouais, Beatdown qui n'est jamais là quand on le veut. Hop, alors, du coup, je voulais aller dans Yu-Gi-Oh! Et nous allons aller ici, et nous allons bien confirmer que nous utilisons ce deck impécran. Et du coup, nous allons nous lancer en classé. Et en attendant, je change la decklist. Zoom. Hop. J'ai vendu mon âme, mesdames et messieurs. Espacito. Oup. Non. JPEG. Je veux du JPEG, s'il vous plaît. Du bon JPEG. Ça, je supprime. Ça, je supprime, j'ai dit, en fait. Je remove.
Ah, mais en fait, quand Duel Links ne veut pas, Duel Links ne veut pas, hein. J'ai compris, hein. Quand Duel Links me dit non, c'est non. El famoso despacito.jpg. Mais, please. Mediafile. Mon XSplit en ce moment, il lag à mort. Il faut que je, faudrait que je fasse la mise à jour, je pense que ça pourrait aider un petit peu. Jusque là, regardez, mais what? Vas-y, là. Voilà. Alors. Ok. Seems okay. C'est un classique, les bugs du jeu. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ça a crash sur Twitch? Nice le crash. Quoi? Non mais ça a encore crash sur Twitch. Oh mais c'est quand la rediffusion, Alex? Demain. Non, me dites pas que ça a encore crash sur Twitch, mais c'est vraiment de la merde en fait. Par contre, DSP en x2, tu seras en désavantage. Il n'y a pas un deck DSP, même en platine, qui n'en joue pas 3. Bah, je l'ai utilisé pour Kog avec x2, hein, puisque c'est largement suffisant. Bon go YouTube. Je ne sais pas ce qui se passe avec Restream et Twitch. Apparemment, ils sont... Ça veut être chiant. Mais les mecs, sinon, quand est-ce que je pioche une bonne carte? Salut Alex, tu présentes quoi cette semaine? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Peut-être Sirène Mur ou peut-être un deck avec Jaden. Même si pour l'instant, il n'y a rien de bien spécial. Enfin, il y aurait Néos le Sage éventuellement. Sauf que j'ai zéro Néos le Sage. J'ai pas totalement fait comment? L'event. Ce match est en rank down. Mais j'aurais bon faire gaffe si le jeu me dit non, tu n'auras pas de carte. Je n'aurai pas de carte. Revolver Desperado, éventuellement. Je pose. Je termine. Duel Links t'aime pas ce soir. Heureusement que je joue contre un deck Yubel qui doit avoir tellement de ressources maintenant. Et qui... Qui fait des trucs, quoi. Alors... Et qui me laisse le temps d'avoir tout plein de cartes. On va invoquer le Revolver Dragon. Vas-y. T'as quelque chose à faire. T'as quelque chose à faire. Alors, on va faire des trucs du genre comme ça. Donc, j'active d'abord l'effet de Revolver Dragon Desperado. Je peux détruire un monstre. Donc, je vais détruire le Yaksha. Il n'y a plus les votes mardi, donc à fun pour les Neos Wiseman. Bon, après, c'est un monstre de merde, donc on s'en soucie pas trop. Vas-y, invoque ton Yubel. Je vais te le mistiming. Tu vas rien comprendre. Et je vais top deck ma fusion Neos au prochain tour pour le karma. Vas-y. Alors, du coup, nous allons faire notre cyclone cosmique. Sur notre trap perfide, nous allons faire notre trap perfide en chaining 2. Du coup, on peut détruire Yubel et on peut détruire ça. Ankara et Stagiaire. C'est vrai. Boom! Mistiming! Top deck! Fusion. Ah, mais attendez. Top deck! Fusion Neos! Eh oui, les potes! Ah, mais il a Sphère Kuribo.
Vas-y, si tu veux. Il y a 100% sphère, Kuribo. Alors, on va envoyer un canon au cimetière et un Eos au cimetière. Hop. Est-ce que tu vas faire du SAO Fatal Bullet sur le DLC 4? Non. Nope. C'est vrai, non, non. Par contre, calme-toi, machin. Pas de sphère, Kuribo! Yes, on est sauvé. On est sauvé. Du coup, on aura stock sur le plat 4 pendant une heure. Enfin, Twitch qui refonctionne. J'espère que ça aura pas d'impact sur ma rediffusion. J'espère. Zoom. Après, si ça cut à un moment, bon, bah... Voilà. Et que ça ne fasse pas de rediffusion, ce serait un petit peu chiant. Wiseman n'est pas immunisé aux effets, il ne peut juste pas être détruit, il est pas si fort. Oui, il peut pas être détruit et genre contre ces samouraïs qui le renvoient en main, il fait rien quoi. On va placer ça en mode défense, on termine le tour. Tu peux faire quoi quand t'es admin? Faire ce que je veux de vous. Oh, fracasse. Vous savez quoi? Je vais le laisser détruire ma trappe perfide. Yes, vas-y. Ah si, il détruit ma trappe perfide. En vrai, si j'active la trappe perfide, ça me fera détruire mon monstre et derrière, j'aurai plus rien. Donc je préfère qu'il la détruise. OMG, t'as sorti le deck à 25€. Les gars, 25€, qu'est-ce que c'est dans une vie alors que ça nous permet de gagner des duels en ligne sur un jeu virtuel. Voyons. Salut Alex, j'ai commencé Duel Links hier grâce à toi. Je me suis permis de claquer de la thune pour commencer le jeu avec un deck Triamide. Je pense que le meilleur investissement, si tu veux dépenser de l'argent dans le jeu, ce serait plus pour des decks de structure comme le deck de structure Neos. Ou même Desperado éventuellement. Mais surtout Neos, puisque c'est utilisable dans beaucoup de decks. Activer l'effet, canon cyber ténébreux. Ouh, il y a des trucs qui chain. Honte à toi, mais je n'ai aucune honte. Hein. Le classé est là pour gagner, donc je gagne en fait. Je veux gagner. Après, Triamine est un bon investissement. Elec a raison. On va activer l'effet de l'araignée explosion BM4 pour le BM. Hop, on va détruire le fracasse. On va voir ce qu'il va faire après. Oh, colère divine! Incroyable. Bah, super. Du coup, bah, je peux quand même invoquer le revolver dragon. Qu'est-ce que 25€ pour un deck Yu-Gi-Oh! Même Salamandre grande, au petit, avoisine les 100€. Mais oui. En fait, c'est ça que les gens comprennent pas sur Duel Links. Duel Links, c'est pas cher. Même quand tu dois dépenser de l'argent, c'est pas cher. Offrande aux damnés! Mec! Arrête! Franchement, cyber ténébreux. Et là, il va me faire quoi encore? Tu vas me faire quoi encore? Il a encore quelque chose qui chain! Et il a défaussé quoi déjà pour... Sphère Kuribo? Ok. Éventuellement. Je détruis son monstre. Ou j'attaque? J'attaque directement. Contrôleur d'ennemis. Il met mon monstre en position de défense. Terrible. Mais oui, genre, sur Duel Links, t'as des... Oui, on a eu des decks qu'on peut appeler pay to win, puisqu'on est obligé de les acheter. Enfin, si on veut les jouer, genre. Rouage ancien, par exemple, c'est...
tu dois mettre de l'argent pour jouer le deck. Mais c'est 12 euros qui sont rentables puisque ça te permet de regagner des gemmes derrière. Mais en effet, il faut passer par le porte-monnaie avant. Hop, pioche, tranchant, yes, fusion Neos. Mais c'est déjà beaucoup moins cher qu'un deck du TCG. Même si en TCG, vous avez la carte en format réel, vous avez la carte, vous pouvez la toucher. Les decks sur Duel Links, vous allez les utiliser plus souvent que vos decks en vos decks réels. Donc ça c'est une différence quand même. Et puis 12 euros, un deck du TCG, mec, ça coûte la peau du cul. Hein. Fantasmé ou qui coûte plus de 100 euros à lui tout seul. Et la plupart des decks doivent le jouer en 3 fois. Donc t'es obligé de dépenser plus de 300 euros pour juste 3 cartes. Même si vous touchez la carte. Mais les gens veulent toucher la carte. Les gens veulent toucher. Ils aiment toucher. Plutôt. J'aurais pu placer mon monstre en position d'attaque. J'ai mis létal. Ouais, ça c'est parce que je parle, j'explique. Je privilégie mes abonnés par rapport au gameplay. Disons qu'il y a des boucles à bien connaître. Il y a pire que Triamine, mais ouais, c'est complexe. Ah bah tiens, yes. Bien wedge, mon adversaire. Boom. Attack. Parfait. Bah t'achètes bien des cartes aussi, non? Non mais oui, j'achète mes cartes de Speed Duel aussi. Mais je veux dire... Après le Speed Duel, c'est pas cher. Mais... En fait, je comprends pas. Je sais pas si c'est quelque chose de négatif ce que tu dis ou quoi. Ou alors c'est peut-être quelqu'un d'autre. Je sais pas quoi répondre. Ils aiment se toucher, effectivement. Aussi. Ça me rappelle l'époque TCG où je vendais des mechas Dracossac à plus de 100 balles. Alors que le mecha Dracossac aujourd'hui, ça vaut rien. C'est dommage. Mais ouais, 100 balles le truc. C'était tellement fort à l'époque. Mais oui, hein. De toute façon, dans le TCG, après, on achète nos cartes. Je dis pas que le système de Duel Links, c'est mieux. Mais je dis que quand même... Enfin, je dis pas que le système du TCG est mauvais. Je dis que plutôt que le système de Duel Links, c'est mieux. C'est moins cher. Et après, tu peux... Bah, j'ai cru que tu disais, achète les cartes physiques, sert à rien, mieux vaut acheter sur Duel Links. Après, ça dépend ce que tu veux faire, mais... Il y a des gens qui jouent au jeu Yu-Gi-Oh! Normal, et qui sont là... Mais mec, je dois dépenser de l'argent sur Duel Links. À quel moment? Alors que tu fais un vrai deck à 12, voire 25 euros pour mon deck là. Alors que pour ton deck TCG, tes 25 euros, c'est qu'une petite partie de ton deck. Pour ça. C'est un petit peu... ce n'est pas logique. J'ai envie de dire. Ce n'est pas logique. Mais oui, de toute façon, après, on achète nos cartes. Du Yu-Gi-Oh! C'est bien que ce soit en TCG, en Speed Duel, sur Duel Links. Mais c'est juste que le système de paiement pour Duel Links n'est pas non plus horrible, comme certains peuvent le dire. Et puis, il y a énormément de decks qui ne nécessitent pas d'argent pour être faits, qui vous permettent de passer King of Games, qui est la finalité du jeu. Donc, voilà. Canon cyber ténébreux, hop, envoie-moi ça au cimetière. Moi, j'ai dépensé 125 euros dans Duel Links. Oh, si vous saviez ce que j'ai dépensé sur Duel Links. J'ai eu des cartes Wiseman, je me sers des 1500 cœurs brisés pour up mes persos à coup de 2250 XP par fight. Ça, c'est bien, ça. Et c'est ce que je vais devoir faire demain. Ou même ce soir, je vais en faire un petit peu. Pendant mon brainstorming avec Jean-Tony et éventuellement Ankara, notre reporter. Ok, vas-y, détruis mon monstre. Si vous saviez ce que j'ai dépensé sur Duel Links. Ah oui, Ankara, on le sait. Aïe, moins 600. Il va détruire Gear Town. Gear Town. Si je peux... Il va me faire combien? 2200. Je peux top deck un Desperado. Et retourner éventuellement. Ah, tu veux pas que j'active les effets de Desperado, toi? Ouais.
Et il me fait 900. J'ai même pas ma Destiny Draw. C'est incroyable. Là, c'était un move 9000 IQ. Les mecs, il a tellement... Waouh. Il a genre tout prévu. La vouivre empêche d'avoir la pioche de la destinée et surtout d'invoquer le Desperado. Putain, le mec en face, c'était un dieu. C'était un dieu. Bon, sinon on fait tranchant. J'invoque tranchant. Après, on a toujours le létal, sauf si la carte face cachée fait quelque chose. Ok. Fusion Neos. On va faire un Neos. On va utiliser lui dans notre main et toi depuis notre deck. On va l'invoquer en attaque, comme ça on subira des dégâts. Je veux subir des dégâts. Fais-moi mal! Après, les meilleurs demandent de l'argent ou beaucoup de gemmes? Non! Si samouraï, c'est pas si chiant à avoir, hein. C'est pas si coûteux. Hein. Ok, dragon réacteur, fusion Neos. Sauve-moi! Guerrier magnétique, c'est tier 0, exact. Triamide et 6 samouraïs, oui, ça va, hein. C'est pas si cher que ça. Hein. Dragon réacteur. Yeah. Oh, il va quand même taper. Ok. Non. Non, mais il a pile poil. Oh, oh mais il est... C'est un bon. C'est un bon en face. Oh, il avait un... Ouais, enfin, c'est un bon. Il avait quand même un troisième réacteur dans sa main, quoi. Oh, il abuse. Ça, il abuse, hein. En fait, j'aimerais bien changer de rang, passer platine 5. Ça fait plus d'une heure qu'on est sur platine 4. Et après, on fera la session. Et pour l'instant, on stack. Hein. Pour voir Kizan en triple, j'ai presque dépensé 7000 gemmes. Mais après, est-ce que Kizan en triple est nécessaire? Non! Mec, tu joues avec la compétence Lumière et Ténèbres, tu n'as pas... Ça n'a aucun rapport avec... Mais tu n'as pas besoin d'avoir 3 Kizan. Et 7000 gemmes pour 3 Kizan, c'est vrai que j'ai pas réagi, mais 7000 gemmes pour 3 Kizan, nani? Mec, 3... C'est... Mec, ça se plaint de dépenser 7000 gemmes pour 3 Kizan, c'est rien du tout. C'est tellement rien du tout. What the fuck? Attendez, 7000... Ok, très bien. Je pense qu'il y en aurait beaucoup qui voudraient avoir... 3 Kizan en 6000 ou 7000 gemmes. Hein. Mec, c'est rien du tout, c'est 6000-7000 gemmes. What the fuck? Voilà, Ankara, lui, il a mis 200 euros pour avoir 3 Kizan. on va poser ça. On va faire tranchant. Genre, en moyenne, c'est 13,5k pour 3 Kizan. Lui, 7k, il se plaint. Mais jetez-lui des pierres! Regardez Gireg! Regardez-le! Oui, mais moi, j'étais pas pay to win. T'as pas besoin d'être pay to win avec une chatte comme ça, en fait. Mais jetez-lui des pierres, là. Gireg, dans le chat. Jetez-lui des pierres. Je me plains parce que j'ai dépensé peu de gemmes pour avoir 3 Kizan. Ça... Ah, il me dégoûte. Ah, un free to play qui me dégoûte. Neos, vas-y. On envoie ça au cimetière et ça. Jette les pierres. Allez hop, on termine le tour. Jusqu'en soi, 2 mois de salaire, pas dégueu, Anki. Bon, en même temps, je suis à 4K sur Duel Links, donc bon. Et en plus, si vous avez regardé ma vidéo sur comment bien farmer les gemmes sur Duel Links, genre 6000-7000 gemmes, c'est un petit peu plus d'un mois de farm. Donc en un mois tu peux... C'est comme peut-être... Ah. Ah. C'est honteux. Tout ceci est honteux. J'ai fait ça un petit peu trop tôt. En vrai...
vrai, le deck Triamide est assez simple à utiliser. Je suis monté Platine 3, je galérais surtout contre les decks yeux rouges avec le nouveau monstre. C'est décoaché, l'adversaire le flip et le détruit. Tu déroulerais vers le round, tu peux l'invoquer juste après. Plutôt pas mal. Hop, je vais pas invoquer normalement un monstre, sinon il va pouvoir invoquer quelque chose derrière. Hop, on va attaquer ici. Détruire ce petit monstre là. Sphère Kuribo. Sphère Kuribo, c'est pas cool. Bon, sinon, il se décide, hein. C'est quand il veut. Hein. Je suis déjà à bout pour avoir un deuxième zombie que je suis en train de vider le pack de 200 boosters, ça me saoule déjà. Un deuxième zombie, quel zombie? Alex. C'est en effet moi. Le truc, c'est qu'avant j'étais débutant, alors j'en avais rarement, genre je trouvais que les monstres étaient intéressants parce qu'ils étaient puissants, donc... Hein. Maybe Godzuki. Après Godzuki aujourd'hui, tu c'est pas la carte que tu vas chercher. Hein. Salut Alex, tu as aussi le bot qui spam. Oui, oui. On l'a tous, hein, ce fameux bot. Est-ce que je le détruis? C'est pas perdu. Hein. Ce n'est pas perdu. Je pense bien aussi qu'il parle de Godzuki. Mais oui, hein, le bot pour les gemmes gratuites, c'est de l'arnaque. Hein, n'écoutez pas ça. Bien sûr. Sauf si vous voulez perdre votre compte ou je ne sais quoi. Je sais pas ce qui est nécessaire pour faire ce genre de choses. Tu me conseilles quel deck pour up légende ce soir? Le deck que j'utilise, ou alors 6 samouraïs, c'est des decks qui marchent bien. Sinon, tu peux aller sur duelxmeta.com. Il répertorie beaucoup de decks pour passer King of Games. Ok. Il y a beaucoup de cartes, monsieur, en face. Hein. Château, dragon réacteur, invoqué comme ça. C'est terrible ce qui va se passer. Le deck le plus puissant actuellement, Desperado. J'active pas son effet. Bam. En fait, il y a un truc à faire avec l'UR, la troisième de l'événement Yubel. C'est quelle UR? Le dragon brillera de mille feux. S'il me dit que derrière il a un troisième dragon réacteur, c'est que franchement les gars, faut arrêter. Hein. C'est qu'à un moment, il y a de l'abus. Mec, s'il détruit ça et qu'il invoque un dragon réacteur de sa main, c'est qu'il y a vraiment de l'abus. Hein. Mais mec! Mais il y a vraiment de l'abus sur ce ladder! Mais mec, ça fait deux parties de suite où je me prends triple dragon réacteur. On est où là? Oui. Puis je dois dessiner. Je veux bien tenter de voir quelque chose qui pourrait me sauver, mais c'est compliqué en fait. Desperado? Est-ce que je mise sur le Desperado ou Trap Perfide pour détruire deux monstres? Trap Perfide, c'est assez ballsy. Que le Desperado aussi, c'est assez ballsy. On va faire ça, hein. On va placer tout en mode défense. Ah mais non, je peux pas activer l'effet. Ah bah, MDR. J'aurais dû faire la trappe perfide. Ouais, je vois le coup. Tu mets 3 systèmes d'armes dans ton deck et NP. Ouais, je vais faire ça. Mais oui, il empêche l'activation d'effet de monstre. Bon, on va passer en session, du coup, les gars. On passe en session... Hop, moins 3000. Je vais trop tilter là ce soir. C'est pas possible. J'y arrive pas. Ce sera pour la prochaine fois la montée légende. On n'y arrive pas. Il y a des soirs comme ça. Il y a des soirs où je monte Cog facilement. Il y a des soirs où bah je me prends triple dragon réacteur. Et il y en a qui jouent maître du crâne. Alors. On va déjà changer de deck. On va déjà créer une session. On va déjà créer une session. Session de duel. Créer une session. On va mettre...
30, conditions d'entrée aucune. Je cache le jeu. Juste 2 secondes. Voilà. Puisque comme d'habitude... Non mais mec ! Non c'est bon. J'ai cru que le jeu allait planter encore. Puisque comme d'habitude, je fais le... pay to sub duelist. La session en priorité pour les pay to sub. Et après, on s'affronte tous. Hop. On va cacher ça. On va cacher ça. S'il vous plaît, cachez-moi tout ça. On refait apparaître le jeu. Et après, je vous j'affronte les abonnés les free to follow, on peut le dire. Mais par contre, il va falloir changer de personnage et de deck. Sinon, bah voilà, c'est pas ouf. Esperado 1, 2, 3. Dark Lord, mais... Is Dragon, Tunnelo. Neo Spice. C'est quel Neo Spice, celui-ci? Oh, c'est le bon vieux Neo Spice. Tiens, on va le faire, ça. On va faire ça. Du Neos. En vrai, il interdit pas First Turn Kill GK, donc... Quoi? Alors... Hop, on va prendre ça. C'est quoi tous ces trucs que j'ai dans ma boîte, là? Ah oui, c'est tous les trucs de l'event. Du truc. Et hop, on retourne en session. Dernier pari. Ravel. Juste une chose, Alex. Neos pur, tu autorises? Neos pur, j'autorise. Regarde, là, j'utilise Neos. Bon, après, si tu utilises Neos Fusion, allez, vas-y. Oui, Esgus, tu peux avoir ton compte sur téléphone et Steam. Il faut juste que tu te fasses un ID Konami. Donc ça, c'est... Enfin, regarde ma vidéo « Comment ne pas perdre son compte Duel Links ». Ça te dira comment créer un ID Konami. Et en fait, quand tu te connectes sur Steam, tu rentres tes identifiants Konami. Et du coup, tu peux jouer avec ton compte dessus. L'ID de session, je vous le passe après. Alors... Du coup, il m'a déglingué une carte qui est cool quand même. On va poser ça. Je sais plus comment se joue mon deck. Hein. Ok. Éventuellement. Terminer le tour. Comment ne pas perdre son compte? Voilà, Elec vous a mis le lien sur le chat YouTube. Salut! Pas mal le live, au moins quelqu'un qui sait de quoi il parle. Je me follow à ta chaîne. Si ça te dit de faire un tour. Ah. Mince, mais les mecs. Ça. C'est bien sympathique de commencer par. Oh, j'aime bien ce que tu fais, tout ça. Après, quand je vois derrière ce genre de message. Tu peux aller voir ma chaîne. Je me dis. Ok, non, la première partie, c'est vraiment pour dire... Franchement, je suis quelqu'un de sympa, du coup, va voir ma chaîne. J'aime pas trop ça. Alors, sélectionnez là où les cartes de votre deck. Du coup, ça... Ça... Et ça... Et je n'aime pas Yubel, hein, n'utilisez pas Yubel, s'il vous plaît. J'ai plus qu'il faut utiliser pour ce deck. Yes! Merci. Ça donne l'illustre noir, ça doit sacré. Tu présentes plus trop de decks en ce moment. Bah, d'habitude, je suis à 2 par semaine. Là, j'en ai fait qu'un seul par cette semaine. Enfin, j'en fais plus trop. C'est juste que j'en ai fait un de moins que d'habitude. Le dernier était le mardi. Mais le prochain sera lundi, vous inquiétez pas. Traverseur de dimension. Activate! Je vais ajouter à ma main Limon. Par contre, je survivrai pas. Je ne crois pas que je survivrai. Un contact miracle. Est-ce que je peux l'activer? Non. Je vais invoquer le Limon luminescent. On termine le tour.
Et du coup, je ne sais pas ce que je vais présenter. Tu ressembles à mon cousin, bizarrement. Très bien. Une nouvelle box de prévu. Je pense qu'ils vont attendre après les WCS. Pour une nouvelle box. Oh, il me laisse un tour. Il me laisse un tour. On est tour 6. Pourquoi je peux pas last gamble? Oh non, c'est la nouvelle version last gamble. Mais je ne sais même plus c'est quoi la nouvelle version last gamble. Mince. C'est quoi la nouvelle version de last gamble? Tour 7 ou plus? Ah bah mince. Oh, j'avais totalement zappé qu'il l'avait nerf. Ah oui. On va changer de deck après. Aïe aïe aïe. Ah bah je me suis dit... Alex, je pensais que t'avais réagi pour dernier pari, du genre, oh, regardez ce mec qui est Spice, mais absolument pas. Et en plus, les cartes sont renvoyées dans le deck. Oh non, ça marche plus. Allez, renvoie ça. Moins 900. Non, je suis pas en duel avec classement. Aïe aïe aïe. Mais non. Je vais prendre cher Fusion Neos. Est-ce qu'on peut neftis pas opti? Oui. Ça c'est la chance du pro. Quel pro? Quel pro? Non! Il annule l'effet de mon monstre. I activate Traverseur. Traverseur ajoute le colibri. Éventuellement. On va changer de deck. Hein. Le plus drôle aurait été que tu repioches une carte défaussée. C'est même pas une carte défaussée puisque la carte est renvoyée dans le deck. Mais on se comprend, on se comprend. Mais je sais pas si ça aurait été drôle pour moi. Ça, c'est de la main aussi. Ouais, c'est de la main aussi. Heureusement. Yes! Alors, on va activer Contact Miracle. Ça, c'est quoi déjà? On peut jouer sur la chance. Nios Chaos! Tu ressembles au voisin de mon boucher. Voilà, c'est dit. Je ne pouvais pas le garder pour moi. Plus longtemps, je retourne à mes occupations. Hop, on va activer du coup l'effet du Neos du chaos et on va avoir trois faces. Ça fait quoi ça? Les effets de tous les monstres face recto contre les parois adversaires sont annulés. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Bah, je vais détruire ça. Oui, si une box sort, elle ne sera pas légale au WCS. Oui, on est d'accord. Non, je ne veux pas activer l'effet Neos Chaos. Eh oui, le Neos Pass me permet de garder le Neos du Chaos. Tu dis que le deck pingouin est pas ouf, mais tu as bien fait des decks sur les dieux égyptiens, pas ouf non plus. Oui, mais t'as une certaine win condition pour les dieux égyptiens. T'as un boss monster. Pour le deck pingouin, y a rien. T'as pas de boss monster puisque le plus gros pingouin que tu peux invoquer, il est là pour se sacrifier pour invoquer deux pingouins de merde en fait. Aïe, mon monstre. Aïe, il a 3500. Non, il a létal. Il a gagné. Huch. En vrai, ça pourrait être tentable, le fusion Neos dans ce deck. Dans mon deck à moi. Ça pourrait être drôle. Bien joué, Ravel. On va changer de deck. Alexuki, merci pour tes cartes, demoiselle de fortune. Il n'y a pas de souci, Quentin. Avec plaisir. Je vais juste...
avant, on va ouvrir la session. Je vous mets l'idée de session. Hop, hop. Tenez, je vous mets l'idée de session. Venez me rejoindre pour les 25 minutes restantes de live. Première victoire, le pouvoir du pay to sub. Le pouvoir du pay to sub. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme deck drôle à jouer? Reptilia. Pandexodia, vas-y, on va jouer ça. Ok, on va faire ça. Session de duel. Alors, on va affronter qui? Oui. Allez, SNS. Pas sûr de t'avoir déjà affronté. Let's go. Bah vous voyez, deux ping pour les lives sur le Discord, je pense que ta rediff Twitch est divisée par deux. Non ! Bah du coup, ça fera deux rediffs. Peut-être. Ou alors, je prends celle de YouTube, mais en fait, celle de YouTube est de moins bonne qualité, puisque le traitement YouTube est mauvais. En fait, si vous regardez les rediffusions sur Twitch, les rediffusions sont en meilleure qualité. Sur même les diffusions. C'est beaucoup plus beau, puisque YouTube bouffe un petit peu de comment dire. Vous voyez quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, yes, on passe notre premier tour. Je pense que Shadow Mist arrivera sur Duel Links. C'est un monstre qui est un petit peu fort, Shadow Mist, quand même. Hein. Alors, je dirais. Peut-être pas pour tout de suite. Déjà, faudrait qu'ils nous sortent les nouveaux supports héros masqués de la Selection Box. Question stupide, mais pourquoi il fait nuit dans son monde de duel? Parce que j'ai activé le cycle jour-nuit. Tout ceci est fort intéressant. Alexandre, tu as pas eu... Pourquoi Alexandre? Ok, très bien. Tu as pas eu Éternité, Demoiselle de Fortune? Éternité, c'est laquelle? C'est la synchro. Bah, tu verras dans mon opening de Rising Rampage qui sortira semaine prochaine, mardi, normalement. Tu penses qu'on aura Trou Noir dans Duel Links? Non. Quel est ce deck en face? Un deck démon? Chasseur de précision. Ok. Battle phase. Streamhack! Je pense que Neo c'est fun. En fun c'est trop fort la prochaine fois. J'essaierai de. Cyber Dragon machin. Mec! Je sais plus si j'ai un moyen de le récupérer lui. Non, j'ai pas de moyen de le récup. Ah si, avec. J'ai eu quand même une main assez dégueu là. Obligé de faire ça, de sacrifier. Die imprévu. Et attendez. Bam. J'invoque l'incarné du légendaire Exolia en position d'attaque. Et ensuite. On va attaquer. Bam. Moins 500. Terminer le tour. L'incarné me rajoute Exodia interdit à ma main. Il n'a plus que 1000. Ouais, avec l'incarné, c'est vrai. Ça fait tellement longtemps. Mais j'ai pas dit que je l'ai eu. J'ai pas dit que je l'ai eu. Hein. Peut-être que je l'ai eu, peut-être pas. Ah ah. Quentin, voyons. Je vais pas spoil ma vidéo. Et salut Monster Reborn. Alors Alex, le deck néospatien que le mec jouait avant, c'est méta, non? Non, c'est du pur. C'est pas vraiment méta. Non, il a l'étal.
Animation. J'ai skip l'animation puisque ça m'a saoulé. Non, ça va! Il a plus de létal, il me laisse un tour! Les abonnés sont beaucoup trop gentils avec moi. Hop, allez, Exodia, l'interdit! Yes, ça me permet de piocher une carte. Avec Suki, je t'ai tout volé, non? Tout ce que j'avais en Fortune Lady à vendre était en vente, oui. Alors. Oh, je veux pas ça. Panda des trésors. Activez l'effet. Nous allons faire une carte. Retirer du jeu d'ailleurs imprévu. Invoquer le bras gauche. En position de défense. Hop, baguette magique. On va le mettre sur le bras gauche. Activer l'effet de la baguette magique. On pioche 2. On active l'effet de panda de trésor. Une carte. On bannit la baguette. Et il nous reste une jambe qu'on va mettre ici. Et du coup, je peux repiocher les cartes, mais est-ce que ça vaut le coup? Non. Maille magique. On va retourner ça. On va retourner ça. Et j'ai quoi face cachée? J'ai ça. Donc on va retourner ça dans le deck. On va regarder tout ça. Ok. Cadeau de l'éléphant blanc. Hop, pioche 2. J'ai quoi au cimetière? J'ai mes 3 parties d'Exodia. Est-ce que je tente Exodia ou pas? Je tente Exodia. Une carte, on bannit ça. On invoque ça. C'est complexe. Soit je fais un incarné. On tente Exodia. J'ai combien d'usines déjà dans mon deck? Je sais même plus. Faudrait que je top deck une usine. Yes. C'est parfaitement ce que je voulais. Hop, on va faire le maillet magique. On va renvoyer ça. On va renvoyer ça. On va renvoyer ça. On va renvoyer ça. Et même lui là. Gimme l'usine! Toujours pas. Et bah du coup on va faire maillet magique! On va refaire maillet magique. Hop. 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 Éternité, demoiselle de fortune en français, je sais pas du tout ce qu'elle peut valoir. Faut voir ça avec les autres. Mec! J'ai perdu. J'ai perdu. Je rajoute 2 parties d'Exodia. Mais malheureusement, ça ne suffira pas. Bien joué. Je me suicide. Est-ce que le deck héros du mal arrivera sur Duel Links? Je pense que ça peut arriver puisque c'est pas non plus un deck qui est hyper fort. Donc oui, je pense que ça peut arriver un jour. Comment? Je ne sais pas. Je t'ai jamais vu toi. Entre 12 et 14 euros. Ouais, il me semble que ça doit être ça. Tu veux passer les gens du coup? Non. Non. Je... Non. Je ne suis pas passé légende, malheureusement. Mujin, c'est encore bon. Mujin, c'est toujours aussi fun. Pas méta, mais voilà. Peut-être via les chroniques des duelistes, Genix. Peut-être. Die imprévu. Hop, invoque ça. D'ailleurs, imprévu, on peut en utiliser plusieurs partout. Oui. Hop, on va faire le cadeau de l'éléphant blanc. Nous allons sacrifier la jambe droite. On pioche 2 cartes. Oh là là. Panda de trésor. Activez l'effet de panda de trésor. On retire du jeu une magie. On va invoquer un bras. En position de défense. On va faire baguette magique. Attends, il faut que je regarde si j'ai 2 usines dans mon deck, puisque il m'en faut 2. Si j'en ai pas 2, quoi. Panda, une carte. Une baguette magique.
Jambe gauche, jambe gauche. On va faire baguette magique sur la jambe gauche. Hop, on active l'effet. On envoie au cimetière, on pioche 2. Panda, une carte. Toc. Dernière partie Exodia, en mode défense. Et l'incarné du légendaire Exodia en position d'attaque. Zoup. Et du coup, on va terminer le tour. On va récupérer ça. Le pire avec des spés dans la méta actuelle, c'est qu'ils le nerferont jamais. Ou alors ils nerferont... Ou alors ils limiteront le... Ce serait tellement... Soit le canon. Ouais, mais t'as des decks d'Esperado qui nécessitent pas forcément cyberténébreux, mais genre le canon cyberténébreux éventuellement. Maillet magique. On va faire le maillet magique. Nous allons renvoyer tranchant limité. Peut-être pas directement tranchant, mais... Un English sur le live. How are you? Hi, Jeb. Sous hiératique de cendre. Wah, wah, wah. Vous pouvez envoyer l'intégration de tiens partout durant votre tour. Ouais, éventuellement. Ok, on va envoyer ça. On va renvoyer ça. Allez, une usine. Maillet magique. Maillet magique. Renvoie ça. Renvoie ça. Et hop. Mec. Je te termine quand même pas sur ça. Non, t'as autre chose. Va se faire Kuribo. Qui n'est pas affecté par... Mon monstre n'est pas affecté. Je gagnerai par Exodia. Alex, je cherche l'esprit de la terre immortelle de Carly. Ah, par contre, les esprits de la terre immortelle, je les garde pour moi. Ça c'est sûr. I'm sorry, what language are you speaking? French! Francis, oh! Yeah, yeah, Francis! I speak Francis! Avec le pinard! Putain. Comment on fait pour rentrer dans ta session, Alex? Eh bien, il faut aller sur l'idée de session qui est ici. J'en ai deux des Aslapiscu, mais leur état, ouf! C'est ce que je rencontre souvent pour ça. Hey. Hop. Maille magique! Hop. Et hop. Faut de la place. Ah, bah après, s'il n'y a pas de la place, c'est compliqué. Mec! Je gagnerai pas Exodia! It's a beautiful romance, language, and amazing culture. I'm not so sure. Baguette and omelette au fromage. End of turn. Hop. Et regardez la puissance. Exodia. Obliterate. J'ai que deux decks de structure en cartes réelles. MDR, il a osé. J'ai osé le Exodia. Encore un dernier avec Exodia. Oh, il reste 10 minutes. Voilà, encore un dernier. Zanza, vas-y, Zanza. Je sens que tu perdras pas de temps. I know that match. Zanzibar, Zanza. Bah tu peux un peu jouer au moins. Je parlais des clichés. Mais oui, les clichés français. Mais on s'en fout, nous. Mmh, mmh, mmh.
J'avais une main de mort, je jouais un deck Dragon des Ruines, Hydre, Dragon, OTK, MDR. Quoi? Mais j'ai aucune carte en 3 exemplaires. Alors, on a plein de parties d'Exodia en main de départ. Cool! Mais en vrai, on espérerait un petit peu mieux. Hop, on va faire un petit cadeau de l'éléphant blanc. On va envoyer ça au cimetière, piocher 2. Ah, si nous OTK pas. Salut, ta liste Exodia a-t-elle changé par rapport à ton ancienne vidéo? Non, c'est toujours la même. Sopodek, l'incarné. Du coup, nous allons faire un Pandipanda. Nous allons activer l'effet du Pandipanda de trésor. Une carte. Hop. Banish. Bras droit. Ensuite, nous allons faire le cadeau de l'éléphant blanc. Sur le bras. On va top deck 2. On va activer l'effet du panda encore. Ban une carte. Nous allons jouer... Du coup, on a deux parties d'Exodia. La troisième ici, la quatrième en main. Par contre, ouais, genre... Est-ce que ce serait pas mieux... Ah, j'ai déjà invoqué ce tour-ci. Ça, ça invoque depuis le deck. Alors, je renverrai ma partie dans le deck. Enfin, c'est pas trop grave, je pioche. Maillet magique. On va renvoyer le bras. Baguette. Alors, bras. Un incarné. Un die. Une baguette. Et ce sera tout. On aura plus même à renvoyer l'autre. Wouh! Activer l'effet du panda. Pandipanda, on va encore ban une carte. Trop de bras ici. Trop de bras musclés. Exodia est payant. Non. Absolument pas. Je t'ai posé une question dessus, tu l'as pas vu car tu as eu un long play. Du coup, mon message s'est fondu dans la masse. T'as moyen de le lire ou. Tu peux le renvoyer. C'est plus simple de renvoyer le même message plutôt. Ça fait gagner du temps. Plutôt que de me demander si tu peux reposer le message. Du coup, 4000. Tout va bien. Derrière, j'ai rien. Exodia! Boum! 1200. Termine le tour. Vas-y. Ah bon, j'ai répondu apparemment. Ah, bah, apparemment, j'ai répondu. Ni lui, ni moi ne. On le savait. Je sais pas. Bon, je m'en étais pendu, quoi. Alors, Jardin d'Aroma. En vrai. Ah, Kalanga, éventuellement. Sauf que. Ouais, il a plus de points de vie que nous. Du coup, ça baisse l'attaque juste du panda. En vrai, si. S'il avait l'autre là, il aurait eu plus de chance. Moins 1300. Usine! Incarné. Pas grand chose, hein. Bras droit de l'interdit. Je le sacrifie pour invoquer un autre Exodia. Bon. Maintenant, on va attaquer à 2100 ici. Je vais faire 2100 de dégâts. Je vais récupérer 1000. Je vais détruire ça. Okay. On termine le tour. On va récupérer certaines pièces d'Exodia. Excusez-moi. Oh là là, c'était dégueulasse.
n'est pas affecté par des effets d'autres cartes. Mais que fais-tu? Mais que fais-tu? Hop. En gros, mon deck Neos pur est cool, mais pas méta. Et avec Neos Space en perk, ça aide bien à perdre contre AG. Et si c'est Samouraï très présent, en fait. L'incarner, ce vrai boss Monster, ému à tous les effets. Après, là, s'il a... comment il s'appelle? Voilà, Bergamote, il a gagné, mais bon. Il a juste à regagner quelques points de vie pour le passer à plus de... à 3900, en fait. Et du coup, il passe au-dessus. GG! Allez, on fait une dernière partie avec Exodia. Exodia, c'est trop drôle. Comme ça, on... après, on terminera le duel. Hop. Allez, allez, qui Erdal, je crois que je t'ai peut-être déjà affronté un jour, mais peut-être pas aujourd'hui. Vérifie ton nombre d'usines. On va regarder le nombre d'usines aussi. Ouais. J'en ai qu'une seule. On va en mettre deux. Je préfère deux et retirer ça, sauvegarder. On va partir sur ça. Hein. Hop. Après, c'est difficile le nombre d'usines, puisque des fois, quand t'en as que deux, enfin, des fois, quand t'en as deux, il y en a une qui ne te servira jamais à rien et c'est compliqué. Des fois, c'est bien d'en avoir deux. Voilà. Ça dépend des situations, hein, c'est très situationnel. Allez, Jad et Newbell. Un sauveur bacon peut se placer dedans. Ah, c'est toujours pour le deck, deck Neos. Alors... maillet magique. On va renvoyer ça dans le deck et ça dans le deck. On va piocher dessus. On va placer ça en mode défense. Tu as testé la version Exodia avec X-Shell, Contact, Superbia, Advanced Draw? Non, j'ai jamais testé. Ça peut valoir le coup éventuellement, après c'est peut-être pas aussi stable. Ouh! Merce Fourrure Beats! Épéiste Merce Fourrure. Du coup, il va détruire une face down. Oh, si tu m'OTK, c'est pas cool. Hein. Je te jure, c'est pas cool. Muricone, qui va détruire ma partie d'Exodia. Merce Fourrure, c'est plus méta depuis quelques mois. 1009, 1005, 3004. Oui, t'as largement le létal si tu le voulais. Ah, t'as décidé de pas me détruire mon monstre en position de défense. Vas-y. Je crois qu'il y a juste à espérer qu'on fasse Exodia en un tour. Ah, mais en plus, tu peux annuler une magie avec, avec l'autre là. Oui, ça fait un an qu'il n'est plus méta, Merce Fourrure. Hop, on va faire ça. Et oui. Et oui, mec. Whiz. Mec, déjà que je peux rien faire, là. Déjà que je peux tellement rien faire. On va terminer le tour. Terminer le tour dessus. Hé hé! Je sens qu'il a quelque chose pour passer quand même, mais... hé hé! Affrontement! Non, l'affrontement! Attends, c'est une défense égale. Ah oui, du coup, zéro.
Non. Il joue avec moi. Toco au cimetière. Ah ça. Il joue avec moi. Il est Miss Lethal. Non, je pense pas qu'il est Miss Lethal, je pense qu'il fait exprès. Attendez, je joue quand même un deck Exodia. Les gens peuvent se permettre de me laisser des tours comme ça. Dampa qui est top deck. Ouais, là il s'amuse. Hein. Ah, il me reste 200, mais le comeback va se faire à 200, vous allez voir. Cadeau de l'éléphant blanc, draw. S'il te plaît. S'il te plaît. N'écris pas dans le chat, on s'en fiche. Raconte pas ta vie. Et non. Non, il envoie à ses amis. Mec, je suis en train de battre Alex. Baguette. Baguette. Hop, on va activer l'effet du panda de trésor. On va banish. Non, pas la renaissance. Bon, c'est bien dommage. C'est bien dommage, ça aurait pu nous être utile. Hop. C'est pour ça qu'ils vont les faire, ouais. Le comeback. Inch'Allah. Baguette. Yes. Panda into one card. Retirer du jeu la baguette. Une autre partie d'Exodia. En position de défense. Hop. Hop. On va mettre ça. Wouh. On a tout ce qu'il faut. Hein. Panda de trésor. Une carte. On banish. Et les deux prochaines cartes qu'on va piocher, ce seront deux usines. Deux usines. Hop. Mais. Mais. Très bien. Bien joué. Bien joué. Et là, il sort un rat de son deck, le Jaden. Affrontement de l'héritage du monde. En plus, il a invoqué son monstre depuis cimetière, ce qui a empêché le retour de la Wiz. Rikon, qui va invoquer le... Danpa. Danpa Ranga. L'incarné qui arrive à la fin des tutos les morceaux. Mais je te jure. Je te jure. Béatil le fait, Azu. Oh, les 800. Terrible, terrible ce qui est arrivé aux joueurs français aujourd'hui. Yubel version 2. Oh, je savais pas qu'il y avait une icône Yubel plus Jaden comme ça. Trop stylé. Bien joué ça. Bien, ouais, je ça. Donc voilà, on va se laisser là pour ce soir. Avant de se quitter, je le rappelle, il y a un concours pour gagner le nouveau deck de démarrage Speed Duel. Le lien est dans la description. C'est le premier lien dans la description. Ce nouveau deck de Speed Duel est génialissime, mesdames et messieurs. Et du coup, la prochaine fois qu'on sera en live, je ne sais pas quand est-ce que ce sera. Il faut que je vois avec Jean-Tony quand est-ce que ce qu'on fera en live la semaine prochaine. Je pense qu'on aura un live Duel Links en milieu de semaine et pour le week-end. Le week-end, on ne sait pas encore. On va bien voir ça. Et sur ce, eh bien, du coup, on se retrouve la prochaine fois. De toute façon, je vous mettrai le planning dès demain sur mon Discord ainsi que sur mon onglet communauté YouTube. Pensez à me follow sur Instagram pour que je devienne un vrai influenceur. Alex Yuki avec 3 i. Et ensuite, eh bien voilà, on se retrouve la prochaine fois. Je vous dis bonne soirée. Demain, deck crâne serviteur sur Link Evolution. Et très sûrement, prochaine présentation de deck Duel Links lundi et mardi. Il y aura une ouverture de Rising Rampage où on tentera d'avoir une prismatique rare. On va... Spoiler, on va la voir. Ou peut-être pas. Ou peut-être qu'on va la voir. Ou peut-être pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Allez, bonne soirée tout le monde. Transition, merci. C'était long, hein.